Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au tournoi de Noël de Motus. Avec aujourd'hui la présence exceptionnelle de Lara, mesdames et messieurs. Lara qui est venue spécialement de Suisse avec sa maman Véronique pour jouer avec nous. Elle a 11 ans, elle est en 6e, elle aime le français, elle est scout et elle fait du théâtre et de la danse. Bonne chance à toutes les deux. Elles seront opposées à Joanne et à Karine aujourd'hui. Joanne et Karine qui viennent de Seine-et-Marne. Joanne a 12 ans, il est en 5e, il aime les maths, l'anglais. Il fait du tir à l'arc, de la guitare et il joue au foot. C'est un fou, il a marqué plus de 500 000 buts dans sa carrière, du jamais vu. C'est notre numéro 10, mesdames et messieurs, le meneur de jeu de l'équipe Motus. On avait Zizou, on a maintenant Titou, Thierry Beccaro. Pas mal ça, Titou. Titou. Ça, avec Titou, vous faites une belle carrière là. La balle à Titou. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus, je salue tous nos amis qui sont dans le public et je vais saluer bien sûr nos candidates qui participent au grand tournoi de Noël de Motus et tout cela au profit de l'association WWF. Et nous allons partir loin, très très loin, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, Joanne, Lara, voilà pourquoi vous jouez aujourd'hui. Vous allez aider les populations de Nouvelle-Calédonie à reboiser le massif de la Houpinière. Et sachez qu'une fois que ce sera réalisé, eh bien, il y aura votre nom inscrit quelque part. Il y aura Joanne, Lara, Izumi, Élise, Mathieu. Alors vous ne voyez pas trop où ça se trouve? Eh bien, regardez. Cet écrin de France, qui abrite le massif de la Houpinière et des espèces rares comme le cagou, voit sa forêt de plus en plus souvent ravagée par le feu. WWF, aidé de la tribu Goapin, a décidé de venir en aide aux populations locales en plantant des milliers d'arbres. Des hommes surveillent les massifs et ce sont les femmes qui récoltent les graines dans la vallée pour ensuite les semer en pépinière et surveiller la croissance des jeunes pousses. Ces familles sont rémunérées pour leur travail et les écoliers impliqués dans la plantation. Le fruit de ces revenus permet aux enfants de poursuivre leurs études et à la nature de reprendre ses droits. Et comme vous l'avez bien dit, Thierry, la pépinière plantée grâce aux 10 000 euros de ce tournoi portera le nom de chacun d'entre vous et WWF vous enverra pour preuve la photo de cet engagement. Voilà, merci beaucoup. Et comme on nous regarde en Nouvelle-Calédonie, ben je salue tous les téléspectateurs de Nouvelle-Calédonie. Voilà, on pense bien à vous et on va faire le maximum pour que vous puissiez reboiser ce fameux massif. On enchaîne tout de suite, histoire de donner le moral à Karine et à Véronique. Il paraît que c'est très bon pour le moral, le chocolat. Les chocolatiers Jeff de Bruges sont heureux de vous offrir pour les fêtes cet assortiment gourmand composé de chocolat, de truffes, d'écorce ainsi que de savoureuses cerisettes. Vous serez gentilles, mesdames, de partager avec Lara et Joanne. Ça va bien, Véronique? Ça va, merci. Vous arrivez de Suisse? De Suisse, oui. Et plus précisément de? Du canton du Valais. Et quelle ville? Plutôt un village, 2200 habitants environ. Mmh. Près de quelle pas ville? Pas très loin de la frontière française, côté Évian. Ah, mais j'ai toujours pas le nom de la ville, c'est louche. C'est Viona, le village. Voilà, et la ville plus importante à côté? Une demi-heure de Sion. Ah bah voilà. Ou une demi-heure de Lausanne. Ah bah quand même, ça aide un peu à situer. Voyons les images. Voilà, Sion, Lausanne, voilà. Très très belle région. Le Valais en automne avec les vignobles et tout ça. C'est le mec qui se met à pleurer. C'est tellement beau. C'est les vignobles à flanc de coteau comme ça. Vrai ou faux? On habite dans les vignes d'ailleurs. C'est pas vrai? Oui. Ah, il va encore pleurer, attendez. Ah là là, ouais, là, c'est vrai que c'est magnifique. Ça va bien, Lara? Oui. Quel âge as-tu? 11 ans. 11 ans. Tu es en quelle classe alors? 6e. 6e, tout se passe bien? Oui. Français, maths, histoire, géo, anglais, espagnol? Non, pas encore. Ça. Chinois? Non, quand même pas. Bah alors, Lara, qu'est-ce qui se passe?
Non, tout le monde prend chinois maintenant. C'est vrai, c'est une langue qu'on étudie beaucoup aujourd'hui. Bon, alors on oublie l'école. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas à l'école, Lara? Je fais de la danse, du théâtre, du Scrabble et les scouts. Voilà, scoutisme, théâtre. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, là, comédienne? Non, j'ai pas encore d'idée. Non, t'as pas encore trop d'idées. Hein. Ouais. Bon, pour l'instant, tu vas te concentrer sur la partie. D'accord? Ouais. Je te présente Joanne et sa maman Karine. Ça va bien, Karine? Ça va très bien. Vous arrivez d'où, Karine? De Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne. Vous travaillez? Oui, je travaille. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis agent administratif. Ça va bien, Joanne? Oui. Oui, c'est Joanne, c'est comme les Ghislaine et les Guylaine. Vous voyez, Joanne vous dit, tiens, salut, Joanne! Ah non, c'est Joanne. Enfin, il répond quand même si on l'appelle Joanne. Bah oui. Bon, quel âge as-tu, Joanne? J'ai 12 ans. 12 ans. Et tu es en... Cinquième, j'allais le dire. Tout se passe bien? Oui. J'imagine que tu dois bien bosser. Le français, ça va? Le français, c'est pas trop ma matière favorite. Mais... Ouais, là, on n'a rien. Là, ça tombe mal, là. Là, on n'a rien en ce qui concerne les maths. Hein. Pour les maths, il faut aller voir Laurent. Ouais. Laurent Romeshko. Hein. Tu prends rendez-vous avec lui et tout. Et tu fais les chiffres et les lettres. Pour l'instant, c'est Motus. Oui. D'accord? Qu'est-ce que tu as comme divertissement, comme distraction? Je fais du foot, du tir à l'arc. 500 000 buts, c'est ça? Oui. C'est un peu énorme, hein, Tom. Ouais, je suis allé un peu fort là. Ouais. On va pas y croire. Tir à l'arc, à quelle distance? Je tire à 20 mètres. À 20 mètres. Donc l'énervez pas trop, parce que là vous êtes à 4 mètres. Oui, j'allais vous dire la même chose. Pas. Vous êtes mieux situé pour lui. Oui, je suis plus loin. Moi je suis trop près, mais à 20 mètres il a plus d'habitude. Bonne chance, Joanne. Hein, merci. On va commencer par la distribution des grilles, qui vous permettront, je l'espère, de marquer 100 points de plus. En visant juste, Joanne, en visant les bons numéros. Eh bien, c'est parti, Joanne. Je te rappelle que nous cherchons des mots de 6 lettres et que la première lettre est pour toi. Et c'est un G. Gauche. G-A-U-C-H-E. Goulue. G-O-U-L-U-E. Galet, G-A-L-E-T-S. Gourde, G-O-U-R-D-E. Goûter, G-O-U-T-E-R. Bien joué, Joanne. Veux-tu mélanger, s'il te plaît? 69. Karine. 3. Pas ça, ça va pas ça, Thierry. Moche, hein. Ah non, ça c'est pas bon ça. Petit mélange, hein. Petit bras, Karine. D'accord. Allons-y, bonne chance, Karine. Voici la lettre S. Safran, S-A-F-A-R-A-N. Ben oui, mais je vous ai un petit peu houspillé sur le mélange. Ça vous a déstabilisé. J'en suis désolé. D'accord. Karine. Lara, attention, la lettre bonus, la voici. Soul, S-A-O-U-L-E. Sèche, S-E-I-C-H-E. Sucré, S-U-C-R-E-S. Simulé, S-I-M-U-L-E. Sauter, S-A-U-T-E-R. Saumon, S-A-U-M-O-N. Très bien. Allez-y, Véronique. Je vous laisse mélanger. Le 44. Lara. Dix. Bonne chance, Lara. Voici pour toi la lettre P. Poire. P-O-I-R-E-S. Plaine, P-L-A-I-N-E. Pigeon,
P-I-G-E-O-N. Poutre, P-O-U-T-R-E. Peine, P-E-I-N-E-R. Peigne, P-E-I-G-N-E. Bravo. Allez-y, Véronique. À toi de mélanger, Lara. Pas mal, hein? 66. Très beau mélange. Magnifique mélange. Oui, Karine. Un petit enfant de 10 ans. Qui de 11 ans, Thierry. 11 ans, 11 ans. Lara, nous cherchons un mot de 6 lettres qui commencera par un A. Avion. A-V-I-O-N-S. Ambigu. A-M-B-I-G-U. Autre. A-U-T-R-E-S. Adulte. A-D-U-L-T-E. Action. A-C-T-I-O-N. Aurore. A-U-R-O-R-E. Vous menez pour l'instant 150 à 50. Véronique, allez-y. 32. Allez, nous continuons. Lara. 26. Et nous continuons encore avec Lara. Lara qui va tenter de trouver ce mot qui commencera par un F. Foutre. F-O-U-T-R-E. Fiche, F-I-C-H-E-S. Figé, F-I-G-E-E-S. Flac, F-L-A-Q-U-E. Flairer, F-L-A-I-R-E. Ouais. Final, F-I-N-A-L-E. Alors, il y a quand même le O, le R à placer quelque part, Johan. Voici le R, justement. Frôler, F-R-O-L-E-R. Bravo, Johan. Bien joué. Je te laisse mélanger, Johan. Le 51. Karine. Voilà, c'est mieux, là. Le 53. 53. Si vous trouvez ce mot, vous égalisez, Karine. Et c'est à vous de jouer avec un L. Loutre, L-O-U-T-R-E. Limite, L-I-M-I-T-E. Livrer, L-I-V-R-E-R. Liane, L-I-A-N-E-S. À 150. Karine. Il y a eu un étranglement dans le public. Quelqu'un qui n'a pas supporté l'arrivée de cette boule noire. Lara, qu'est-ce qu'il y a, Tom? Et ce sera le dernier mot, Thierry, déjà. Oh, cette boule noire... Ça passe trop vite, et puis cette boule noire, elle tombe mal. Hein. Le dernier mot à 100 points, Lara, il faut absolument le trouver. Il commencera par la lettre R. Rivage, R-I-V-A-G-E. Route, R-O-U-T-E-S.
Raison. R-A-I-S-O-N. Rançon. R-A-N-C-O-N. Rasoir. R-A-S-O-I-R. Wow. Bravo. Bravo, Lara. Ah, superbe, hein. T'as réussi à replacer toutes les lettres entourées de jaune au bon endroit et ça te permet de gagner la partie. Bon, vous, vous n'êtes pas gâté par le tirage des boules, vous prenez la boule noire au plus mauvais moment. Johan, Karine, on vous applaudit très fort. Bravo. Nous n'avons que des excellents candidats, candidates. Et Johan, Lara, que du très très haut niveau, voilà. Et de très très beaux cadeaux aussi pour vous. Regardez, Johan, Karine. Johan, mytoys.fr t'offre un chèque cadeau de 100 € à valoir sur mytoys.fr, boutique de jouets, puériculture et mode enfant sur Internet. Et Karine, Telefunken, a le plaisir de vous offrir un cadre numérique Wi-Fi haute technologie ainsi qu'un téléphone portable Bluetooth. Merci beaucoup, Tom. Bon, bah voilà, Johan. Ça, faut voir ça avec maman, hein. Ça, le mélange, c'est maman. Ça va? Oui, oui. C'était sympa, non? Bah oui. Qui te regarde en ce moment? Des copains? Oui, je pense, ma famille, mes amis. Ouais. Un copain, une copine en particulier? Bah non. Allez. Bah, attends. Tu peux me le dire. Non, attends. On en a parlé juste avant l'émission, attends. Non. Si, attends, tu m'as dit, celle-là, elle me plaît bien. Non. Non? Ah, c'était pas toi, non? Bon, tu veux rien me dire? Non. Je le vois dans tes yeux qu'il se passe des choses. Enfin bon, bref. Johan, tu restes avec nous. Karine, vous allez supporter Lara et sa maman. La Suisse est très très bien représentée aujourd'hui dans le grand tournoi de Noël de Motus. A tout de suite. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur le net motus@francetv.fr. Et pour nos prochaines sélections, nous serons le samedi 14 janvier à Paris, le mardi 24 à Beauvais, le jeudi 26 janvier à Mâcon, le vendredi 27 à Montluçon et les samedis 28 à Clermont-Ferrand. Alors composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou écrivez-nous motus@francetv.fr. Véronique et Lara viennent de cette sublime région de Suisse, le Valais. Et pour l'instant, elles sont parisiennes et elles vont tenter de... Enfin, tu vas tenter, Lara, de trouver 10 mots le plus rapidement possible si tu veux accéder à la finale. D'accord? Mais tu sais ça aussi bien que moi. Véronique, pour l'instant, vous vous reposez. On vous fera intervenir si vraiment c'est nécessaire. Et pour l'instant, c'est Lara qui joue. Vous voulez un petit point score, Thierry? Oui, bah j'allais vous le proposer, tiens. Il faut battre le score de Saïd, qui est de 10 mots en 4 minutes 07. Ah oui, il a été très très rapide. Hein. Oui. Mathieu était pas mal non plus. Hein. Mathieu, il est à 3,59, Mathieu. Ah oui, 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 3,59. Il faut se glisser entre les deux, quoi, voilà. Pour avoir une place en finale. Lara, je te laisse, bonne chance. Merci. Battre, B-A-T-T-R-E. Boule, B-O-U-L-E-S. Bouton, B-O-U-T-O-N. Pomme, P-O-M-M-E-S. Permis, P-E-R-M-I-S. Prime, P-R-I-M-E-S. Périmé, P-E-R-I-M-E. Piment, P-I-M-E-N-T. Narval, N-A-R-V-A-L. Narine, N-A-R-I-N-E.
Oiseau. O-I-S-E-A-U. Ovale. O-V-A-L-E-S. Osive. O-S-I-V-E-S. Olive. O-L-I-V-E-S. Montée. M-O-N-T-E-E. Matin. M-A-T-I-N. Matin. M-A-T-I-N-S. Métier. M-E-T-I-E-R. Dindon. D-I-N-D-O-N. Douter. D-O-U-T-E-R. Doudou. D-O-U-D-O-U. Très bien, Laura. Bravo. Encore quatre mots. Rayure. R-A-Y-U-R-E. Toile. T-O-I-L-E-S. Tomber. T-O-M-B-E-S. Tuile. T-U-I-L-E-S. Bien. Et encore deux mots, Laura. Croûte. C-R-O-U-T-E. Camion. C-A-M-I-O-N. Cahier. C-A-H-I-E-R. Le dernier mot. Lente. L-E-N-T-E-S. Longue. L-O-N-G-U-E. Lardon. L-A-R-D-O-N. Liège. L-I-E-G-E-S. Lienne. L-I-E-N-N-E. Oh, regarde bien la grille. Lyon. L-I-O-N-N-E. Hey, c'est pas mal, non? Laura a trouvé 10 mots, un rythme infernal. Le regard de maman, Véronique, qui surveillait le temps. 10 mots en 4 minutes et 36 secondes. Et c'est, ça suffit. Ah, c'est un peu juste. Et c'est un peu juste pour aller en finale. En tout cas, ça a été remarquable. T'as perdu un petit peu de temps sur le dernier. Ouais. Et c'est dommage, hein. Mais enfin, en tout cas, allez, on va te réapplaudir encore une fois, Laura. Bravo. Merci. Ce qui nous fait pour l'instant en finale, pour l'instant. Hein. Saïd et Mathieu, Thierry. Saïd et Mathieu. Laura, Véronique, nous avons des cadeaux à vous offrir. Et c'est pas n'importe quoi, regardez. Laura, metsmoinscher.com, site de vente de produits high-tech, électroménagers et petits électroménagers, est heureux de t'offrir ce lecteur DVD portable. Et VIP Box offre à Véronique un coffret cadeau régional comprenant plus de 2700 activités. Au choix dans ce coffret, gastronomie, bien-être, sport et week-end. Voilà, que du bonheur. Merci. Merci infiniment Véronique. Merci Laura, j'espère que vous nous accompagnerez le jour de la grande finale de ce tournoi. J'espère que vous serez là également. On s'approche tranquillement mais sûrement de ce grand jour. Mathieu et Saïd tiennent la corde pour l'instant. À très très bientôt, passez une excellente journée. Merci.